Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Judith. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La musique est en fête ce soir en direct sur France 3 et sur France Musique. Bienvenue Orange, comment allez-vous? Soyez les bienvenus en direct du Théâtre Antique d'Orange pour cette 13e édition déjà de Musique en fête. Et quelle joie, oui, en effet, de vous retrouver dans ce lieu absolument magique pour célébrer la musique avec les plus grands interprètes du moment, comme chaque année. Musique en fête sonne le coup d'envoi des Corégies d'Orange, le plus ancien festival lyrique du monde. Et pour l'occasion, on vous a concocté un programme réjouissant, évidemment. Ah oui, on peut le dire. Ce soir, il y aura des voix exceptionnelles, de grands airs d'opéra, bien sûr, mais aussi de la chanson française, de la comédie musicale, de la danse aussi, avec une jeune troupe venue d'Ukraine, et des musiques de films que vous reconnaîtrez, c'est certain. Les plus grands noms de la musique se partageront la scène, mais également de jeunes talents, car musique, en fait, est douée pour les découvertes. Et alors, parmi eux, les enfants de Pop The Opera qui sont ici, qui ont ouvert l'émission. Ce soir, ils sont près de 400 et ils vous ont préparé une jolie surprise. Vous verrez. À la tête de l'Orchestre National de Montpellier qui nous accompagne ce soir, nous retrouverons nos deux brillants maestros, Luciano Racocella et Didier Benetti, et ils seront rejoints au cours de la soirée par la jeune chef d'orchestre Chloé Dufresne qui nous offrira quelques airs de l'opéra français le plus célèbre, Carmen de Bizet, évidemment. Alors on peut le dire, c'est un programme magique qui vous attend ce soir. D'ailleurs, n'hésitez pas avec le hashtag musique en fête, commentez l'émission, partagez tous vos coups de cœur. On vous attend sur les réseaux sociaux. Vous êtes 8000 avec nous ici au Théâtre Antique dans les gradins. Alors est-ce que vous êtes prêts à enflammer cette soirée? Alors on commence par quoi, Judith, maintenant que tout le monde est chaud ici et devant la télé? On commence par un extrait de Mireille, cet opéra de Gounod dont l'action se déroule en Provence, à quelques kilomètres d'ici, pour l'enchanter. Place au cœur de l'opéra de Parme et de l'opéra de Monte-Carlo qui nous accompagne tout au long de la soirée. Une farandole joyeuse et folle, interprétée par la troupe de danseurs folkloriques tout droit venus d'Arles, l'étoile de l'avenir. C'est tout le folklore provençal qui arrive maintenant sur la scène. Et ils sont accompagnés par l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Didier Benetti. Bonne soirée à tous, en direct et en musique. Thank you.
Les danseurs de l'Étoile de l'Avenir avec les artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par Didier Benetti, qui interprétait à l'instant cette farandole de Mireille de Gounod. La soirée a commencé, nous avons entendu l'orchestre, les chœurs, vu des danseurs, et même cette année, nous allons bientôt découvrir des chevaux, n'est-ce pas? Eh bien, il est temps de découvrir des grandes voix. Les voici, Mariam Battistelli, Aurélie Jarjaille, Marina Viotti, Julien Henrique, Adrien Matona, Nawel Di Pierre et Florian Sempet, entouré par les artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte Carlo, qui sont maintenant placés sous la direction de Luciano Acocella. Ils vont nous interpréter ici un extrait de l'Italienne à Alger. La plupart des chanteurs sont là pour la première fois à musique, en fait, sauf quelques-uns, mais vous allez le voir, c'est une très très belle soirée qui s'annonce donc ici en direct d'Orange.
Et l'opéra, c'est du théâtre. Bravo à Marianne Battistelli, Aurélie Jarjaille, Marina Viotti, Julien Henrique, Adrien Matona, Nahuel Di Piero, Florian Sempé, avec les artistes des chœurs de Parme de l'opéra de Monte Carlo, dirigé par Luciano à Coachella pour cet extrait de l'italienne Alge. Et vous le voyez, qui s'avance. C'est le ténor franco-chilien Diego Godoy. Il va interpréter un extrait du Trouvert. Il vient de faire ses débuts dans le rôle de Manrico au Japon. Ce soir, il foule pour la première fois cette scène et chante l'air sublime de l'acte 3 di quella pira. L'air de Manrico à l'acte 3 du Trouvert de Verdi. Bravo à Diego Godoy pour ce baptême du feu. Quelle émotion dans le théâtre antique. Et merci au chef Luciano à Coachella de l'avoir accompagné. Grande émotion, évidemment, pour Diego. C'est pas rien de chanter dans ce théâtre pour la première fois. Alors, musique, en fait, est une vraie pépinière de talent. Car voici une autre artiste qui va faire ici ses débuts. On l'a découverte tout à l'heure dans le septuor de l'italienne à Alger. Il s'agit de la soprano italienne Mariam Battistelli sur un rythme ternaire. Elle va nous faire danser. Ça va être la valse de Musette à l'acte 2 de la bohème de Puccini. Elle attend le moment, elle aussi, de fouler cette très belle scène devant ce mur d'Auguste. On va partir pour le café Momus.
Mariam Battistelli, accompagnée par l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Luciano Acocella. Un immense bravo, Mariam. Et quelle joie, un grand bravo à tous les enfants de Pop the Opera pour ce pot pourri de mélodies de Disney. Bravo à l'Orchestre National de Montpellier et Didier Benetti qui a le sens, cette souplesse aussi pour cette musique et pour cet orchestre qui passe d'un répertoire à un autre. Alors, voilà, la preuve à nouveau que tout arrive dans cette soirée. Il s'avance sur le tapis rouge, ses complices et amis, Florian Sempé et Nahuel Di Piero. Le premier est un baryton français, le second une basse argentine. Et ensemble, ce soir, tous deux sont Giorgio et Riccardo à l'acte 2 des Puritains de Bellini. Luciano Acocella est maintenant au pupitre. Suoni a tromba intrepido, io pugnerò da forte, bello è affrontar la morte, gridando libertà. Amor di patria impavido, mieta e sanguigna l'odi, cui terga i bei sudori e i pianti la pietà. All'alba, bello è affrontar la morte, gridando libertà. Suoni la tromba intrepido, tu pugnerai la forte, bello affrontar la morte, gridando libertà.
patria impavido, mieta sanguigna l'ali, ai terga dei sudori, ai pianti la pietà, alla Un très grand bravo aux Florian Sempey et Nahuel Di Piero, accompagné par l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Luciano Acocella. Très beau duo entre Giorgio et Riccardo à l'acte 2 des Puritains de Bellini. C'est musique en fait, en direct du Théâtre Antique d'Orange. Le programme se poursuit, varié, enchanté, avec un tout autre répertoire, Handel. C'est un extrait de Rinaldo, un air choisi dans le premier acte de cet opéra, inspiré d'un épisode de la Jérusalem délivrée du Tasse. C'est la mezzo russe Anna Goriachova pour la première fois sur la scène d'Orange qui s'avance. Oh!
Et quelle présence de feu, magnifique, magnifique Anna Gouriakova dans cet extrait de Rinaldo de Handel avec l'Orchestre National de Montpellier dirigé par Luciano à Coachella. C'est un très beau début pour cette mezzo russe qu'on va retrouver plus tard dans la soirée, lors notamment d'un quatuor, extrait de Moïse en Égypte de Rossini. Alors celui qui fait désormais son entrée sur scène est un immense violoniste, Maxime Vengerov. Avec son archet, il parcourt la terre entière, accompagné par les plus prestigieux musiciens et orchestres. C'est un honneur de l'entendre ce soir dans ce cadre exceptionnel en direct sur France 3 et France Musique. Il interprète le troisième mouvement Allegro du concerto pour violon de Johannes Brahms. Thank you.
Immense artiste, merci du fond du cœur, Maxime Vengerov. Waouh! Quel moment incroyable on vient de vivre, merci Maxime. Et merci à Luciano aussi, à Coachella, notre chef. Musique en fête, ça continue en direct du Théâtre Antique d'Orange. Est-ce que vous passez une belle soirée avec nous? J'espère que vous aussi, à la maison. Allez, place maintenant à la danse avec une jeune troupe venue spécialement pour nous d'Ukraine. Les danseurs qui arrivent tout de suite sont tous élèves à l'école de danse de la ville ukrainienne de Lviv. Ils ont entre 13 et 23 ans et grâce à l'association franco-ukrainienne Les Joyeux Petits Souliers, ils ont l'opportunité de se produire en tournée en France et de récolter des fonds. Des fonds pour soutenir les structures médicales en Ukraine qui en ont tellement besoin. Alors, au-delà de la situation qu'on connaît tous, ce qui leur tient à cœur, eh bien, c'est de faire connaître les traditions et les danses de leur beau pays. Vous allez le voir, ces danseurs sont impressionnants. Ils ont reçu déjà de très nombreux prix à travers le monde. Eh bien, ils vont danser pour vous sur un air traditionnel ukrainien arrangé spécialement pour Musique en Fête par Didier Benetti. La chorégraphie est signée Maria et Volodia Schmir, deux chorégraphes d'exception qui ont créé cette troupe vraiment pas comme les autres. Je vous demande de les applaudir, les danseurs des Joyeux Petits Souliers d'Ukraine.
Et quelle ferveur et quelle générosité. Un grand bravo à ces danseurs venus de Lviv en Ukraine, les Joyeux Petits Souliers, association franco-ukrainienne accompagnée ici par l'Orchestre National de Montpellier dirigé par Didier Benetti. La soirée s'avance. On va retrouver Anna Goriakova et Nawel Di Piero, ici en compagnie d'autres camarades chanteurs, Sandra Amaoui et Julien Henrique. Sandra et Julien qui font aussi leur début à Musique en Fête, tous les quatre, avec les artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par Luciano Acocella, vont nous emmener sur les bords de la mer Rouge. C'est un extrait de Moïse en Égypte de Rossini. Écoutez cette prière de l'acte 4. Thank you.
Bravo, bravo et merci aux talentueux Sandra Maoui, Anna Gouriakova, Julien Henrique et Nahuel Di Piero avec les artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte Carlo dirigé par Luciano Acocella. C'était la prière extraite de Moïse en Égypte de Rossini. On va rester en Italie, mais cette fois en compagnie de la soprano dramatique Catherine Hunold. Elle a étudié le chant auprès de Maddy Mesplé, Margaret Price, Christa Ludwig. C'est dire, c'est maître d'exception, Catherine Hunold. Et ce soir, la terrible Lady Macbeth, que rien n'arrête dans son désir de devenir reine d'Écosse, chez Shakespeare comme chez Verdi. L'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Luciano Acocella. Scendi via!
Mais quelle fureur et quelle beauté. Merci et bravo à Catherine Hunold pour cet extrait à l'acte 1 de Macbeth de Verdi, opéra qu'elle chante en ce moment même à l'opéra de Saint-Étienne. Alors, nous sommes en direct depuis le théâtre antique d'Orange, c'est Musiques en fête, et voici maintenant Amy Gazeille et Diego Godoy, alias ici le Duc et Gilda dans Rigoletto de Verdi. Amy Gazeille est avignonnaise. Elle a souvent foulé cette scène parmi les enfants de Pop the Opera. En 2022, elle est lauréate de la 14e édition du concours international de chant de Gordes dans la catégorie Lead. Et elle va intégrer la saison prochaine la première promotion de la nouvelle troupe de l'Opéra de Paris. Voici donc Amy et Diego dans Rigoletto à l'acte 1. Thank you.
Sublime duo qui respire l'amour. Amy, qui est la plus jeune chanteuse qu'on ait jamais accueillie sur la scène de musique en fête, a seulement 23 ans. Bravo à tous les deux. Quel bonheur. Bah oui. Ils respirent l'amour. Magnifique. Hein. Je crois qu'ils s'aiment. Ils s'aiment dans la vraie vie, vous voulez dire? Je crois qu'ils s'aiment dans la vraie vie. Comme nous, mais plus encore. Encore plus. Allez, notre soirée en musique continue avec deux instrumentistes d'exception. La trompettiste Lucienne Renaudin-Vary et l'accordéoniste Félicien Bru. Et la spécialité de Lucienne et de Félicien, c'est d'être capable de jouer aussi bien du classique que de la chanson, de mélanger tous les genres musicaux, toujours avec grand talent. Ces deux-là sont complices depuis des années. Et alors ce soir, c'est la bande originale d'un film des années 60 qu'ils vont nous faire redécouvrir. Et oui, les plus cinéphiles d'entre vous se souviennent peut-être de Paris brûle-t-il, de René Clément. Évidemment. Bah voilà, ouais. Film de 66 qui avait été nommé au Golden Globe pour sa bande originale et notamment pour la chanson Paris en colère. Paris en colère sur une musique de Maurice Jarre interprétée par Mireille Mathieu qu'on embrasse très fort parce qu'elle nous regarde ce soir, je le sais. Ce titre a connu un immense succès. Je vous préviens, frisson garanti. Voici Lucienne Renaudin-Vary et Félicien Bru. Thank you.
Quel bonheur d'écouter ces deux complices, Lucienne Renaud-Dinvary et Félicien Bru, dans cette chanson extraite du film de René Clément, Paris brûle-t-il, et mise en musique par Maurice Jarre. Alors regardez-la qui s'avance, la chef Chloé Dufresne, qui fait ses débuts à Musique en Fête. Le duo composé par Didier Benetti, qui est en ce moment sur le podium et qui va le quitter dans un instant, et Luciano à Coachella, que l'on écoutait tout à l'heure, et bien se fait trio cette année, nommé Dudamel Fellow en 2022 par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Chloé Dufresne a assisté le chef Gustavo Dudamel lors de toute cette saison, et puis elle a fait des débuts importants en Europe avec l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki, à Paris, l'Orchestre National de France. Ce soir, Chloé nous propose une séquence 100% Carmen de Bizet pour notre plus grande joie. À ses côtés, la maîtrise de l'Opéra Grand Avignon, les artistes de Parme et de Monte Carlo, et puis de beaux solistes, la mezzo-soprano franco-suisse Marina Viotti et le ténor breton Kaëlit Bocher, ainsi que le baryton français Jérôme Boutillier. Thank you.
Pendant des heures entières.
Seigneur, seigneur, car avec les soldats, oui, les colonels, aiment s'entendre pour plaisir, qui voulait quoi? Plaisir qui est plein, ces jours de fête, le cidre qui est plein du haut en bas. Allô, en garde, allô, allô, toréador en garde, toréador, toréador. Il songe bien, puissant en combattant, un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. L'amour t'attend. Et songe bien, oui, songe en combattant, un œil noir te regarde.
fait silence. Ah, que se passe-t-il? Une triste enfant, une triste enfant. Le taureau s'élance en bonissant d'Italie. Il s'élance, il entre, il frappe. Un cheval roule, entraînant un picador. Ah, bravo taureau, tire la foule. Il vient, il frappe encore. Oh, c'est quoi ces bonnes lignes? Plein de fureur, il court. Le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles. C'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Bravo Jérôme et bravo à l'Orchestre National de Montpellier pour tous ces très beaux extraits de Carmen, de Bizet. Et un immense bravo aussi à Chloé Dufresne, notre chef qui vient de nous rejoindre dans Musique en Fête. On est ravis de l'accueillir. Carmen, qui est à l'affiche des Corégies cet été avec Marie-Nicole Lemieux en Carmen et Jean-François Borras en Don José. Une version d'ailleurs que vous retrouverez sur France Télévisions. Mais pour l'instant, ce soir, vous assistez à la 13e édition de Musique en Fête en direct sur France 3 et sur France Musique. J'espère que vous passez un moment magique avec nous. Pour l'heure, on va rendre hommage maintenant à une icône hollywoodienne, une immense star, un des premiers sex-symboles de l'histoire même. Si je vous dis pou-pou-pidou, vous pensez évidemment à Marilyn Monroe. S'il est une actrice qui a brillé au cinéma en chantant, c'est bien elle. Les hommes préfèrent les blondes, certains l'aiment chaud. Niagara ou encore Le Milliardaire, le fameux film sur lequel elle a rencontré Yves Montand. Film dans lequel elle reprend la chanson de Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy. Eh bien ce soir, notre Marilyn s'appelle Isabelle Georges. C'est une fidèle de Musique en Fête qui est déjà venue chanter pour nous et pour vous les plus beaux thèmes de comédie musicale. Alors, place à l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Didier Benetti pour ce grand standard du jazz avec Isabelle Georges. C'est par là. My heart belongs to Daddy.
If I invite a boy some night to dine on my fine Finnan haddie, I just adore he's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Isabelle Georges au cœur de son répertoire avec cette présence toujours lumineuse ici. C'était My Heart Belongs to Daddy de Cole Porter avec le complice Didier Benetti en maestro à la tête de l'Orchestre National de Montpellier. Alors, place désormais à Bellini et ses phrases si longues et galbées que l'on adore. Ici, c'est un extrait de la Somnambule. À l'acte 1, on voit le comte Rodolfo qui arrive déguisé à l'auberge de Lisa pour y passer la nuit. Il se remémore les jours de sa jeunesse où tout était calme et serein et regrette de ne plus jamais pouvoir revivre ces jours. Rodolfo, ce soir, c'est Nahuel Di Piero. Oh,
ma fra voi, se non mi inganno, oggi ha luogo alcuna festa. La sposa è quella. Questa. È gentil. È già dramolto. Ch'io ti miri. Oh, il vago. Tu non sai con quei begli occhi come dolce il cor mi tocchi, quai richiami ai pensieri miei, adorabile, adorabile beltà, ed ad essa a qual tu sei sul mattino dell'età, ed ad essa a qual tu sei sul mattino dell'età, ed adesso qual tu sei sul mattino dell'età. Sul mattino dell'età. Sul mattino dell'età, qual volto tu non sai con quei begli occhi come dolce il cor mi tocchi, quai richiami ai pensieri miei, adorabile, adorabile età, ed ad essa a qual tu sei sul mattino dell'età, ed ad essa a qual tu sei sul mattino dell'età, ed ad essa a qual tu sei sul mattino dell'età. Panache, bravo Nahuel Di Piero, c'était un extrait de la Somnambule de Bellini. Bellini, Bellini que l'on ne va pas quitter d'ailleurs ici au Théâtre Antique d'Orange pour Musique en Fête en direct sur France 3 et France Musique, car voilà qui s'avance, Catherine Hunold et Marina Viotti. Elles vont interpréter un extrait de Norma, alors ce mur d'Auguste, on a entendu des belles Norma dans le vent chaud du soir et sous les étoiles. Regardez, écoutez. Elles sont Norma et Adalgisa et elles chantent la première scène du deuxième acte, Mira o Norma. L'Orchestre National de Montpellier est dirigé par Luciano Acocella. Thank you.
installé deux vestales magnifiques, très belles, complicité ici entre Catherine Hunold et Marina Viotti dans cet extrait de Norma de Bellini sous la direction de Luciano Acocella. Il fait ses débuts sur cette scène ce soir. C'est Julien Henrique qui s'avance après une saison marquée par ses débuts au Grand Théâtre del Liceu à Barcelone et à l'Opéra National de Bordeaux, ainsi qu'au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, justement dans le rôle de Flavio dans Norma. Julien Henrique a fait cette saison ses premiers pas à l'Opéra National de Paris, au Festival de Ravenne en Italie et dans bien d'autres maisons. Ici, il nous chante un air incontournable du répertoire pour ténor, à Lève-toi soleil, extrait de Roméo et Juliette de Gounod. Never.
Bravo Julien, Julien Henrich sur la scène de Musique en Fête. Merci pour ce beau moment Julien. Merci à vous le public d'être aussi chaud ce soir et d'encourager tous nos artistes et de les acclamer. Musique en Fête, vous le savez, c'est la fête de toutes les musiques. L'opéra, la chanson française, la pop, mais aussi les comédies musicales. Eh bien, vous allez redécouvrir maintenant un tube immortalisé par Barbara Streisand. Souvenez-vous de Memory. Memory tiré de la comédie musicale Cats, l'un des spectacles les plus joués dans le monde, notamment à Broadway, à New York. Un spectacle adapté dans plus de 20 langues, autant dire qu'il a fait plusieurs fois le tour du monde. Eh bien, pour la petite histoire, son auteur, Andrew Lloyd Webber, était un immense fan d'opéra. Et il a voulu écrire ce titre, Memory, à la façon de Puccini, dont il adorait les œuvres. Alors, pour lui rendre hommage, c'est une version spécialement réécrite pour Musique en Fête que vous allez découvrir, grâce à la soprano Aurélie Jarjaï et à la maîtrise de l'opéra Grand Avignon, dirigé par Didier Benetti. Voici Memory. Thank you.
Un grand bravo, bravo Aurélie Jarvaille et son chat sur l'épaule. Elle était accompagnée de la maîtrise de l'Opéra Grand Avignon avec l'Orchestre National de Montpellier, Didier Benetti. C'était Memory, un extrait de Cats, la comédie musicale composée par Andrew Lloyd Webber à la fin des années 70. Alors tout à l'heure, on l'a entendu dans Rossini, puis dans Bellini. Le baryton Florian Sempé est un habitué de musique en fête. Sa saison prochaine s'annonce magnifique. Des grands rôles à l'Opéra de Paris, mais aussi Bordeaux, Toulouse, Barcelone, le Théâtre des Champs-Élysées, le Festival d'Aix-en-Provence. Ici, il s'avance pour nous chanter Estuans interius, c'est-à-dire ronger intérieurement, dévoré de rage. C'est un poème extrait de Carmina Burana de Karl Orff. Luciano à Coachella est arrivé à la baguette. Deus in ave eventi, in avaritudine non quarve eventi, parus e materia, cilis e eventi, similis un folio, e quarum potenti, un titenti proprium diro sapienti, supra petra ponere sede fondamenti, sculpus ego comparor fluvio lamenti, sumeo da tramite, dunque permanenti. Florian Sempé sur la scène du Théâtre Antique d'Orange dans cet extrait plein de rage et de colère de Carmina Burana de Karl Orff avec l'orchestre de Montpellier dirigé par Luciano Coachella. Alors, vous regardez, vous écoutez Musiques en Fête, merci d'être là. Après la rage, les paillettes, voici le grand air de Cunégonde à l'acte 1 de Candide de Bernstein, Glitter and Be Gay. Cunégonde, vous allez le constater, change plusieurs fois d'émotion au cours de cet air, mais elle retombe inlassablement dans la mélancolie. La soprano catalane Sarah Blanc Freites est accompagnée par l'Orchestre National de Montpellier que dirige ici Luciano Coachella. Little and big.
in wars where things take the place of honor lost. Can they compensate for my former state, purchased as they were at such an awful cost? Bracelets, lavaliers, can they dry my tears? Can they blind my eyes to shame? Can the brightest brooch shield me from reproach? Can the purest diamond purify my name? And yet, of course, this string is far endearing. I'm also glad my suffering is a star. I rather like a 20-carat earring. Show my noble stuff by being gay and reckless. Ça s'appelle Mettre le feu. Sarah Blanc Freichet, c'est Luciano à Coachella, à la tête des forces montpelliéraines. Bravo, bravo pour cet extrait de Candide de Bernstein, ce grand air de Cunégonde absolument incroyable qui chante l'atmosphère et qui nous laisse sans voix. Voici venir maintenant Marina Viotti, que l'on a entendu bien entourée déjà depuis le début de cette soirée. Marina Viotti qui se prépare à interpréter Stefano dans une nouvelle production de Roméo et Juliette de Gounod, mise en scène par Thomas Joly à l'Opéra Bastille à Paris. Incroyable production. Ici, elle est seule et elle nous propose une page inattendue, Historia de un amor, dans la version française, Histoire d'un amour. Alors vous connaissez sans doute cette chanson, écrite, composée au milieu des années 50 par Almaran, adaptée en français par Francis Blanche. Cet air est notamment interprété par Dalida en 57. Ici, c'est donc Marina Viotti et Didier Benetti. Adorarte para
l'amour et la passion. Es la historia de un amor como no hay otro igual, y me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. C'est toda la raison de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo esperaba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor. Marina Viotti, immense bravo pour ce standard de la chanson qu'avait repris Dalida, entre autres. On avait des frissons. Ah, on avait des frissons. Bravo Marina. Bravo Marina. Vraiment, du fond magnifique, du cœur. Magnifique. On se fait la voix des téléspectateurs, là, je suis sûr. Exactement, c'est certain. Non, mais cette soirée est magnifique. Voilà. Mais oui. Disons-le. C'était une chanson, voilà, exactement, chanson écrite donc par le compositeur, je le disais tout à l'heure, panaméen, Almaran, à la façon d'un boléro. Un boléro comme le fameux boléro de Maurice Ravel. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le boléro de Ravel est sans doute plus connu, mais enfin à l'origine le boléro c'est une danse espagnole. Voilà, ce soir on voyage un peu sur tous les continents. Et alors c'est ça la magie de musique en fait, justement, du Panama aux danses traditionnelles ukrainiennes en passant par l'Espagne. Ce sont les musiques du monde entier qui sont mises à l'honneur sur la scène du Théâtre Antique d'Orange. Et d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez continuer à partager tous vos coups de cœur sur les réseaux sociaux avec le hashtag musique en fête. On continue le voyage ? Ah mais on continue tout de suite. J'espère qu'il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Ce soir, on va partir maintenant en direction des Balkans avec le Sirba Octet qui est en train de s'installer. C'est un ensemble de 8 musiciens fondé en 2003 par le violoniste Richard Schmuckler et dont certains sont membres de grands orchestres classiques. Ah oui, des orchestres magnifiques. Tous ces musiciens viennent soit de l'Orchestre de Paris, de l'Orchestre National de France, de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Mais ensemble, c'est le répertoire klezmer, yiddish, tzigane qu'ils interprètent. Et ceci pour notre plus grand bonheur. On a frissonné à l'instant avec Marina et là, on va frissonner d'une autre manière, plutôt en pensant à l'errance peut-être de ces peuples de l'Europe de l'Est.
Alors, ces mélodies virtuoses, on va les découvrir dans un instant. On a hâte d'écouter tout ça et de découvrir un instrument assez rare parmi les musiciens du Sirba Octet. C'est un cymbalum. Et oui, c'est un cymbalum. Il est là, il est magnifique, il se joue avec des maillotches. Et je propose qu'on laisse les musiciens qui sont prêts nous emmener diablement dans ce répertoire. Place donc au Sirba Octet sur la scène du Théâtre Antique d'Orange dans une suite de Moldavie endiablée. Thank you.
Quelle énergie, quelle fougue. C'était la suite de Moldavie par l'excellent Sirba Octet. Un grand bravo à eux qui nous ont fait ce soir voyager. Alors, depuis le début de cette soirée, l'Orchestre National de Montpellier enchaîne les répertoires les plus divers. À sa tête, les chefs Vary, Didier Benetti, Chloé Dufresne et Luciano Acocella, que l'on voit ici, chef historique de ce programme depuis 2011. Il est originaire de Rome. En 96, il remporte le concours international Prokofiev à Saint-Pétersbourg, le concours international Mitropoulos à Athènes. Il est remarqué par Daniel Egatti, fait ses débuts dans une fosse d'opéra en 2000, et puis depuis, eh bien, il faut bien croire qu'il ne s'en lasse pas. Alors, l'extrait qui suit, c'est un extrait de La Somnambule de Bellini avec en soliste Sandra Amaoui. Elle vient pour la première fois à Musique en Fête. Tout à l'heure, elle chantait en bonne compagnie la prière de Moïse en Égypte. Ici, la soprano franco-américaine qui fait partie des troupes du Deutsche Oper de Berlin et de l'Opéra de Zurich où elle a donné la réplique au plus grand. Eh bien, elle chante donc cet extrait Amina. Ici, Sandra, c'est à vous. Credeo
Magnifique. Bravo Sandra Amaoui pour cet air d'Amina à l'acte 2 de la Somnambule de Bellini. Luciano a Coachella et l'Orchestre National de Montpellier reste en place. Car voici un autre hit du grand répertoire lyrique, le trio de la scène finale de l'acte 2 de Norma. Catherine Hunold, Diego Godoy et Nahuel Di Piero avec les artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte Carlo qui interprètent des Non voler li vittime. Imaginez que les amants Pollione et Norma, lors de cette ère, montent au bûcher. Oh,
quel trio exceptionnel! Catherine Hunol, Diego Godoy et Naweldi Piero, bravo à tous les trois, merci mille fois pour ce beau moment que vous venez de nous offrir. Qu'est-ce qu'on l'aime cette soirée, Musique en fête, sous les étoiles, toujours en direct du Théâtre Antique d'Orange. Vous êtes d'ailleurs nombreux à réagir avec le hashtag Musique en fête sur les réseaux sociaux. Alors justement, notre soirée continue, on va écouter maintenant un chef-d'œuvre, rien que ça, que l'on doit à l'un des plus grands compositeurs de musique de film de l'histoire. Cette star de la musique, c'est Ennio Morricone. Ennio Morricone qui a composé plus de 500 thèmes musicaux dans sa carrière pour le cinéma ou la télévision. Il est évidemment célèbre pour avoir signé les bandes originales des westerns de son ami Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, Le Bon, La Brute et Le Truand, mais il a aussi révolutionné le genre avec des bandes originales comme celle du film Mission, par exemple, de Roland Joffé. Alors petit rappel, ce film avec Robert De Niro, Palme d'Or à Cannes en 1986, c'est une fresque historique sur la colonisation de l'Amérique du Sud et la vie des jésuites au XVIIIe siècle, et cette musique, c'est un chef-d'œuvre, une bande originale puissante qui mêle les chants religieux du vieux continent avec les percussions amérindiennes. On va l'écouter tout de suite, interprété par les chœurs de Parme et par ceux de l'Opéra de Monte Carlo qui sont en train de s'installer. Et pour les accompagner, eh bien, je vous propose d'allumer les torches de vos téléphones pour voyager dans le temps, les amis, grâce à Ennio Morricone. Regardez.
et des frissons, d'immenses frissons une fois de plus. Bravo aux artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte Carlo. Et grand bravo. Vous aussi, vous avez des frissons. Ah bah, frissons depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Grand bravo à l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Didier Benetti. C'était un extrait de Mission Musique signé Ennio Morricone. Alors depuis le début de la soirée, on a chanté les plus belles chansons de Disney, mais aussi le célèbre Paris en colère, et puis à l'instant la bande originale du film Mission. C'est bien la preuve que les musiques du cinéma nous font passer par toutes les émotions. Et alors on va changer de décor parce qu'on va partir dans la Vienne des années 30. Juste derrière nous, vous allez la voir qui s'avance, c'est Aurélie Jarjaille. Elle s'apprête à chanter, oui, une valse absolument craquante. Une valse. Alors une valse tirée de l'opérette de Franz Lehár et qui porte votre nom, Judith, qui s'appelle Giuditta. Je l'ai bien dit. L'air que l'on va écouter, interprété par Aurélie, dit « Sur mes lèvres, chaque baiser est enivrant ». Dis donc, elle est sensuelle, l'opérette viennoise. Oui, elle est très sensuelle, elle est très légère. Et pourtant, contrairement aux autres opérettes de Lehár, comme « La veuve joyeuse » ou « Le pays du sourire », l'histoire de Giuditta finit mal, puisque c'est l'histoire d'un amour manqué. Encore ? Alors racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer dans ce qu'on va entendre tout de suite ? Eh bien, nous sommes au quatrième tableau et Giuditta, qui est danseuse de cabaret, enivre son public avec cet air ravissant. Donc, qu'elle chante tout de suite, c'est Aurélie Jarjaille. Thank you.
Merveille que cet air de Franz Lehár, extrait de son opérette Giuditta. Bravo Aurélie Jarjaï. Didier Benetti cède la place au pupitre à Luciano Acocella pour cet extrait de l'enlèvement au sérail de Mozart. Sur scène, c'est Adrien Matona. De sa belle voix de basse, il va interpréter l'air d'Osmine à l'acte 3. Denn nun hab ich euch schon.
Ave, wille ich dir am Willen, schön geht euch nur nichts erzählen. Und die Pilze stehlen so, stehlen so, stehlen so, stehlen, stehlen, stehlen so, stehlen, 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 stehlen so. Und die Hälse stehlen so. Très belle Osmine d'Adrien Matona avec l'Orchestre National de Montpellier dirigé par Luciano Acocella. Alors notre soirée en direct du Théâtre Antique d'Orange pour France 3 et France Musique touche à sa fin. Place au chœur, formé par les artistes des chœurs de Parme et de l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme, un extrait des Maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner. Thank you.
Bravo au chœur de Parme et de l'opéra de Monte Carlo, préparé par le chef de chœur Stefano Visconti. Notre soirée en musique est bientôt terminée, mais avant, un immense bravo à tous les chanteurs, les musiciens et les danseurs qui nous ont fait passer une soirée de rêve sous les étoiles. On peut les applaudir très fort encore. Musique en fête, vous le savez, sonne chaque année le coup d'envoi du Festival des Corégies d'Orange. Et vous avez justement rejoint son directeur, Judith. Bonsoir Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Bonsoir Jean-Louis, merci beaucoup de nous accueillir chez vous dans ce beau théâtre. On ne s'en lasse pas, décidément. La saison, Cyril le disait, commence. Quels sont les grands moments là, que vous attendez ici, au Théâtre Antique ? Au Corégies, il n'y a que des grands moments. Par essence, c'est un grand festival. Donc il y aura Carmen, il y aura Katia Bouniatichvili, Evgeny Kissin, une pluie d'étoiles. Ici au Théâtre Antique, le Ballet de la Scala de Milan, Kyle Eastwood pour un grand concert jazz hommage à son père, Clint Eastwood, Anna Netrebko pour une grande nuit verdienne en fin de festival, le Mécano de la Générale, vous savez qu'on fait souvent des ciné-concerts, et puis je voudrais, outre l'appel aux jeunes talents, et on a vu ce soir Amy Gazeille, que nous connaissons bien et que nous aimons beaucoup, mais par ailleurs, j'aimerais donner un coup de chapeau tout particulier ce soir pour le premier spectacle des Corégies dans 3 jours avec Pop the Opera. Ils sont tous là. Formidable. Eh bien, c'est un sacré coup d'envoi. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Merci encore pour cette année. Merci, Jean-Louis. Et merci à tous les artistes qui nous ont fait chanter, vibrer, qui nous ont émus ce soir. C'est un vrai bonheur de partager tout leur amour de la musique ensemble et en direct. Judith, venez là, chère partenaire. On va remercier les solistes aussi. Mais tout à fait, les solistes, les danseurs et puis bien sûr les chefs d'orchestre. Luciano à Coachella, Didier Benetti, Chloé Dufresne. Un bravo aussi évidemment tout particulier aux musiciens de l'Orchestre National de Montpellier qui ont interprété pour notre plus grand bonheur des airs magnifiques, très variés tout au long de la soirée. Un grand merci à toutes les équipes de France Télévisions, Michel Field en tête, Pascal Doporidis qui est à l'origine de Musique en Fête, Hélène Peduvallon, toutes les équipes de Morgane Productions, Sylvain Plantard, Alain Duhaut, notre productrice Émilie Bontemps, Hélène Bigot également, et merci à notre maestro quand même de la réalisation, Monsieur Franck Broca. Et merci aux équipes techniques aussi de Radio France et de France Musique qui font chaque année un travail incroyable. Et merci à vous, chers partenaires, c'est notre 6e année ensemble. On est un couple qui dure. Oui. C'est rare à la télé. Alors on va se quitter quand même pour ce soir. Mais enfin, on se quitte en musique avec notre traditionnel Brindisi de la Traviata, chanté cette année par le ténor Diego Godoy et par Amy Gazeille. Un Brindisi chanté également par les artistes des chœurs de Parme et de l'opéra de Monte Carlo. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous sur France 3 et France Musique. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut. Oh,
ancora. Maldito chi l'ignora. E il mio destino.